Alors, Micheline, qu'est-ce que vous nous faites le fameux gâteau aujourd'hui? La pièce montée. C'est de la pâte à choux. La pâte à choux. Et comment vous faites la pâte à choux? Alors, tu fais bouillir un peu de lait, un peu d'eau. Dedans, tu mets du beurre, du sel, du sucre. Mais c'est appétissant. On est en mode commando. Tu vas marquer des points aujourd'hui? Comment elle est ça? J'ai marqué tous les points. Je marque tous les points. T'es trop fort. Toi aussi? Ouais, je vais regarder marquer les points. Vous avez marqué tous les points tous les deux? Non, je les laisse. Moi, les points, j'ai pas besoin. Hey, tu vas être une machine aujourd'hui? Ah ouais, bien sûr. Tu vas voir quelque chose, vraiment. On va gagner combien? Au moins 30. Par à combien? Donne-moi un score. 35-0. Je peux pas dire, j'espère qu'on va gagner avec les points bonus. So, fais gaffe à ton nez. Hein. Un score, un truc, un machin. Non, y a pas de commentaire. Vas-y. Il faut en vouloir aujourd'hui. Un score? Sans commentaire, il faut gagner absolument. Combien? Il faut gagner avec les 5 points, sinon c'est mort. Non, t'as un score? J'ai pas envie. T'as un score? Vas-y, un score. On s'en fout, c'est de gagner. Allez, un score. J'ai pas de score, c'est idiot. On va gagner ou pas? J'espère, oui. Avec point de bonus ou pas? Point de bonus, c'est important. On a la chatte d'être là. Et t'as un score pour aujourd'hui? 4-2, sans prolongation. Et 4-2, je parle largement avant les prolongations. Non. Comment ça va se passer aujourd'hui pour toi? De ta mère? Bah on parle de ta mère. Elle dit que tu l'as présenté. Ouais. Donc tu la ramènes aujourd'hui. Et Patrick, il va nous montrer un peu ce que c'est le matrice. Il va montrer ce que c'est le barracuda. Il va montrer à ta mère le barracuda. Bonjour Yannick, apparemment vous êtes nouveau pour le dernier match. Un petit mot. Non, je peux pas. Commando, un truc comme ça. Maintien en fédéral 2 ou pas? Maintien en fédéral 2 et on nique tout après. Il va se passer quoi à Trignac? Trignac, il va se faire marbrer, péder là, ses enculés là. Nous on va gagner, on reste en fédéral 2, on s'en va les couilles. La dernière fois j'ai donné les pronostics et on a fait une grosse merde. Tu paries ton nez ou pas? Ah non, c'est... Drop de Majid Aitoukli. On parle de la première. Coup de pied à suivre pour Elliott, essai. Et pour la une, oui, victoire. Je sais pas si ça va être avec le bonus, mais victoire. 27-3. Donc bonus offensif. Oui. Et il y a Trinec, qui va se passer quoi? C'est pas aller prier la madone. Financièrement, on est très très bon. Et si ça doit jouer sur tapis vert, ça sent qu'on revoit l'expérience. Les meilleurs en dehors du terrain. Les meilleurs en dehors du terrain. Intellectuel. On fait des études, tout ça, il y a que des jeunes. Mais tout ça à la fac, il y a des ingénieurs dans l'équipe et tout. En fait, là, on va faire la fête ce soir, c'est ça qui est sûr. Vas-y, dégage avec ta paire. Ah, ils font un score. On bat les couilles. On va gagner 37-0. Victoire bonifiée pour Courbevoie face à Châteauroux. Seulement Niort gagne 100 points de bonus à Trignac. Ce qui nous renvoie directement à la fête 3, à moins qu'il y ait un maintien sur tapis vert. Et sur le bord de touche, j'ai crié et puis voilà, sur le coup qui s'est complètement. Ouais, Martin, je suis content pour vous. Dis-moi un mot sur la fin de saison. Un peu triste que ça se termine, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens extraordinaires et ça vaut tout l'or du monde. Merci Martin, à toi. Ouais, je mange bien. Bon, dis-moi qui tu es, ce que tu fais et tout. Non, putain, je t'ai déjà dit. Bonsoir, je suis caviste à Courbevoie, je suis sponsor depuis plein d'années et je bois du vin qui parfois se trouble en fin de soirée. Un petit mot? Ta chatte. Voilà, on avait la chatte d'être là et donc on en a profité. Ça durera peut-être pas. Voilà. Donc faut en profiter. Alors, Baka, tu pars à Montpellier? Ah, ta gueule. Et on va pas parler de ça, on va parler d'un truc. C'est que le Martin, je l'ai vu tout à l'heure, il était au fond du groupe, comme quoi son truc il marchait plus. Eh ben, comme quoi ça marche bien. Donc c'est de la bonne cam. Donc Martin, il est obligé de rester l'année prochaine. Parce que moi, je m'occupe aussi de l'année prochaine, même si je serai à Montpellier. Bon, ouais, parle de truc. Et je veux parler d'un truc. Yeah, man. Je suis content pour un truc. Yo, Rastafari. Je suis content que tous les gamins qui ont entraîné, même si je n'étais pas un très bon entraîneur, hein, moi je l'avoue, mais j'étais comme je suis. Et ben voilà, la plupart sont en première, et il y en a d'autres qui vont monter, et ça c'est du bonheur. Alors est-ce que ton mari va continuer l'année prochaine? Oui, il continue l'année prochaine. Et est-ce que tu le laisses et tu viens avec moi l'année prochaine? Ok. Timo Duncan, est-ce que tu restes l'année prochaine? Je crois que je vais rester. T'inquiète mon fils, pour Martin. Bon, mais j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu peux porter des poules comme ça et personne dit rien, hein? Et quand je porte quelque chose de pareil, tu m'en m'engueules, tu m'en m'embêtes. C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? C'est question de respect et c'est du racisme ça. C'est trop bien. Courbevoie, c'est très bien. Courbevoie, c'est de la balle ou pas? Ouais.
C'est la balle ou pas? Bien sûr, c'est la balle, attends. Ah, nickel. J'adore qu'on me voit. J'adore quand on me filme. Non, j'adore qu'on me voit. Ah bon, pardon. On commençait par un ami qui a commencé, qui a fait sa première soirée avec moi quand on est arrivé sur Paris. Ah. Lolo Calissa. Ouais. Il allait attendre. Stop, stop, il allait attendre. Le problème, c'est qu'il a des faits. Trop de muscules, tu la muscules. Il veut voter Bérou. Il tape, il tape. Et tout ce pas, elle sort en direct. Deuxième nominé, Martin. Merde pour la dépression pour sa caméra, tu remarques. Hey, attendez les gars. Eh, hey, le pire, le président vient de me dire que les deux nominés, en première et en réserve, ont une bouteille de champagne offerte. Troisième nominé, Jean Mouloud. Ouais. Monsieur fait une dépression parce qu'il n'est pas en première. On peut lire les statuts sur Facebook. On peut lire les statuts sur Facebook. Et que monsieur, le vendredi, il part. Hey, 41 ans, c'est l'air. Quatrième nominé, on a un mec qui a pas fait un match de la saison, qui a fait quoi, 30 minutes. Yaya, il revient, il a joué 5 minutes, parce qu'il a pris un carton. Les nominés, ramène les nominés. À un moment donné, on sert des bières, on resserre des bières, après, on resserre des bières. Martin, vive le pinard et la cigarette. De la nourrice à la baby-sit, de pas que du coup, sur mes bons de 4 heures. Oh. Vas-y, c'est le con, vas-y. Également, vas-y. Vas-y, continue. Bon, bon, il paraît. Coup, bon. Chut. Tony Paré. Hey, ils sont fous ces gens-là. C'est comment cette saison qu'on peut voir? Depuis la piste. Bon, sympa quand même. On se plaît plutôt bien. Moi je dis faut une bonne saison là, maintenant faut gagner. Parce que ça, il faut les primes quand même. Bon, mais ça y est, une saison s'achève de rugbystique. C'est assez compliqué comme sport. Et je suis certain que on a passé une bonne saison avec les gars quand même. Même si on a perdu les matchs à la maison, on a un bon petit groupe très sympa avec les jeunes et tout, les anciens. On s'amuse énormément et puis bon, c'est vrai que c'est un peu décevant de descendre avec un point de Trignac, mais bon, c'est compliqué le rugby. Ça a toujours été compliqué et c'est un sport qu'il faut prendre toujours avec cœur et amour pour le club et avancer. Très important pour avancer dans le jeu. Très important. Bon, mais je vous fais tous un gros bisou à tous. Et puis je vous dis bon courage et puis à l'année prochaine.